cachée, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché raconte une histoire, celle de Delphine et Marinette. Mon gros chat perché, on veut bien te croire. Les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective, toutes les vaches sont bien trop naïves. Le canard sérieux et sentencieux, et le chien peureux. Chat perché raconte une histoire, ouvre ton grand livre pour nous. Mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché raconte une histoire, on sera tous au rendez-vous. Le pan. La grande cousine de Delphine et Marinette, Flora, qui avait presque 14 ans, terminait un séjour d'une semaine à la ferme. Non, ça ne va pas. Avec celle-ci, il faudrait un chapeau à fleurs. Avec celle-là, ma coiffure n'est pas assez haute. Oh, vous avez bien de la chance à la campagne. Vous n'avez pas ce genre de soucis. Voyons, quelle heure est-il ? Comme elle avait été reçue un mois plus tôt à son certificat d'études, son père lui avait acheté un bracelet montre, sa mère lui avait acheté une bague en argent, et ses deux parrains une paire de souliers à talons. Voyons, Delphine, tu marches comme avec des sapots. Voilà comment on fait en ville. Voilà la voiture! Déjà? Où sont mes gants? Je ne peux pas sortir sans mes gants! Bon voyage! À bientôt, Flora! Reviens vite! Elle est belle! C'est ce soir-là que les petites décidèrent de dire à leurs parents qu'elles ne voulaient plus mettre de sabots. Les sabots, c'est pas si commode qu'on croit, on se fait surtout mal aux pieds. Oui, et ce qui arrive aussi, c'est que l'eau entre par-dessus. Tandis qu'avec des souliers, il y a moins de risques. Surtout si le talon est un peu haut, et les souliers, c'est tout de même plus joli. C'est comme les robes. Au lieu de rester toute la semaine en tablier, il vaudrait mieux sortir de l'armoire un peu plus souvent nos robes du dimanche. C'est comme les cheveux. Au lieu de les avoir sur les épaules, ce serait bien plus commode de les relever, et plus joli aussi. Voilà des façons de parler qui ne nous plaisent pas. Est-ce que vous avez perdu la tête? Ne plus mettre vos sabots? Sortir de l'armoire vos robes du dimanche? Mais le plus fort, c'est les cheveux relevés. Des gamines de votre âge? Demain, il y a des torchons à ourler. Ça vous occupera, plutôt que de penser à toutes ces bêtises. Oh! Si jamais vous parlez encore de cheveux relevés, Les petites n'osèrent plus parler aux parents de cheveux, de robes ni de souliers. Mais quand elles étaient seules... Je me demande si j'ai la taille assez mince. Et mon nez, tu ne trouves pas que ces jours-ci, il est un petit peu long? Est-ce que je fais d'assez petits pas? Oh! Et ma bouche, elle n'est pas trop grande? Hein? Est-ce que tu crois que le rose m'irait mieux que le bleu? Et mes dents? Ne sont-elles pas trop petites? Attention! Est-ce que vous dormez? Elles ont encore oublié d'éteindre. Petit!
À la soupe, cochon. Il est de plus en plus gras, ce cochon. Vous trouvez? Ma foi, oui, tu deviens bien beau. C'est bien ce que je pensais aussi. Qu'est-ce que vous faites là, petite? Nous ourlons des torchons. Oh, vous ourlez? Oui, nous ourlons. On plie le bord du torchon comme ça, et ensuite on coud. Ça fait un ourlet. Il me semble que j'aimerais bien coudre, moi. Ourler des torchons, surtout. Merci. Moi, j'aimerais bien coudre des robes. Oh, si j'avais du tissu. 3 mètres de soie couleur lilas. Je me ferais une robe décolletée en rond, avec un froncé de chaque côté. Moi, je vois une robe rouge décolletée en pointe, avec 3 rangs de boutons blancs, jusqu'à la ceinture. Chère madame, où donc avez-vous fait faire ce joli tailleur? On me l'a offert pour mon certificat d'études, ma chère. Et alors, ces torchons? Ça ourle. Bien. Ourler des torchons est la meilleure occupation pour des fillettes de votre âge. Et votre chapeau à fleurs, ma chère, il vient sans doute de la ville. Certainement, ma chère, comme mes souliers à hauts talons. Moi, je préfère les faire venir de Paris, ainsi que mes montres en or, d'ailleurs. Vous avez 1000 fois raison, ma chère. Il y a si peu de choix à la campagne. Je ne voudrais pas te faire de la peine, mais tu as quand même un drôle de coup. Pourquoi un drôle de coup? Cette question. Mais parce qu'il est trop long. Trop long, mon cou. Regarde le mien. Eh bien, tu as le cou beaucoup trop court. Je dirais même que c'est loin d'être joli. Trop court? En tout cas, il est bien plus beau que le tien. Tu as le cou trop court, un point, c'est tout. Sans parler du cou, je suis mieux que toi. J'ai des plumes bleues, des plumes noires et même des brunes. Toi, je trouve que tu finis drôlement. Eh bien, moi, je ne vois qu'un petit tas de plumes ébouriffées qui ne sont guère plaisantes. C'est comme cette crête rouge que tu as sur la tête. Tu n'imagines pas, pour quelqu'un d'un peu délicat, combien c'est choquant. Vieille sorcière! Je suis plus beau que toi, tu entends? Plus beau que toi! C'est moi la plus belle! Mais qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que vous avez perdu la tête tous les deux? Voyons, mais le plus beau, c'est moi! C'est une plaisanterie! Mon pauvre cochon! Si tu pouvais voir combien tu es laid! Moi? Mais je... Oh, oui, je comprends. Vous êtes jaloux tous les deux. Tenez, j'entendais encore tout à l'heure les parents dire « Ce cochon est si beau que... » Oh! Mais qu'est-ce... Oh! Oh! Je ne vous cacherai pas que je m'amuse follement. Oui, follement. Grave question pour moi qui viens du château que de savoir quel est le plus beau de ces 3 personnages. Laissez-moi rire encore. Dites-moi, jeune fille, ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux, quand on est si loin de la perfection, de ne pas parler de beauté? Eh bien, c'est entendu. Vous n'êtes pas mal, mais on en a déjà vu bien d'autres. J'ai connu un canard qui avait un plumage aussi beau que le vôtre, et il ne faisait pas tant de manières. Et moi, qui ai une très belle crête, ce n'est pas pour ça que... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un éventail. Oh, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'habitude de me frotter à n'importe qui. Je vous demande pardon. C'est moi qui m'excuse de vous dire les choses aussi simplement. Mais voyez-vous, quand on veut être beau comme je le suis, il faut en prendre la peine. C'est presque aussi difficile de le rester que de le devenir. Comment? Vous n'avez pas toujours été beau? Oh non, non.
Quand je suis venu au monde, je n'avais qu'un maigre duvet sur la peau. Ce n'est que peu à peu que je me suis transformé jusqu'au point d'être où vous me voyez à présent. Et il m'a fallu faire des soins. Je ne pouvais rien faire sans que ma mère me reprenne aussitôt. Ne mange pas de vers de terre, ça empêche la huppe de pousser. Ne saute pas à cloche-pied, tu auras la traîne de travers. Ne mange pas trop, ne bois pas entre les repas. Ne marche pas dans les flaques. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Silence, voyons. Je n'avais pas le droit de fréquenter les autres espèces du château. J'étais toujours seul. Oh là là, la vie n'était pas drôle. Et même maintenant, pour ne pas m'alourdir, ni perdre l'éclat de mes couleurs, je suis obligé de suivre un régime et de faire de la gymnastique, du sport. Le matin au réveil, je ne mange qu'un pépin de pomme rainette et une gorgée d'eau claire. Mais vous marchez sur les pieds. Oh, ben ne vous serrez pas sur moi. Un silence, on vous dit. Et si je vous flanquais une correction? Silence. Enfin. Bon, je reprends. Où en étais-je, moi? Au réveil, manger un pépin de pomme rainette et boire une gorgée d'eau claire. Le lendemain, les parents furent bien étonnés. Laissez, laissez, ce n'est pas la peine. Si vous voulez vous rendre utile, donnez-nous plutôt un pépin de pomme rainette et une gorgée d'eau claire. Hein? Non? Qu'est-ce que tu dis? Un pépin de... De pomme rainette, oui. Nous ne prendrons rien d'autre jusqu'à l'heure de midi. Et ce sera ainsi tous les jours. Oh, oh. Petit. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous ne voulez pas de ce bon grain? Ce qu'il nous faut, c'est un pépin de pomme rainette et une gorgée d'eau claire. Nous ne voulons rien de plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir se nourrir de pépins? Dites-moi, parents, est-ce que vous n'aimeriez pas me voir me pavaner dans la cour avec une huppe sur la tête et dresser tout autour de moi un grand éventail de longues plumes de toutes les couleurs? Non. Parle-nous d'un bon coq au vin. Oh. Voilà ce que nous aimons. Et le plumage n'y ajoute rien. Vous voyez comme ils nous répondent quand on leur parle gentiment. Allez, à la soupe, cochon. Cochon, la soupe. Mais pourquoi ils veulent me faire manger ça? Ce qu'il me faut, c'est un pépin de pomme rainette avec une gorgée d'eau claire. Toi aussi? Mais enfin, pourquoi? Mais parce que je veux être beau. Et si fin, si brillant, que sur mon passage, les gens se retournent en s'écriant « Oh, comme on aimerait être ce merveilleux cochon qui passe !» Est-ce que tu ne comprends pas qu'être beau pour un cochon, c'est d'abord être gras? Voulez-vous, oui ou non, me donner un pépin de pomme rainette? Entendu. Quand tu auras pris encore une dizaine de kilos. En attendant, mange ta pâtée. Vous partez déjà? Tiens, mais vous n'avez pas déjeuné. Oh non, on n'a pas faim. On a trop mangé, peut-être hier soir. L'air nous fera du bien. Non, c'est bizarre. Tiens, il manque deux pépins à cette pomme. Oh. Allez, Un pépin de pomme dans l'estomac d'un cheval ou d'un bœuf est à peu près comme rien. Les bêtes de l'écurie ne purent s'accommoder bien longtemps du régime recommandé par le pan. Renonçant à être beau, chacun revint à sa nourriture habituelle. Ah, il y eut plus de constance chez les bêtes de la basse-cour. Vous avez vu comme ils dévorent, ma chère? Quel spectacle écœurant! Ce n'est pas ainsi qu'ils risquent de perdre leur grossière façon. Je sens que ce régime commence à faire son effet. Vous avez vu mon pan de tête? Et mes plumes? Elles commencent à prendre un certain reflet bleuté. Et ma démarche? Vous avez vu ma démarche? Oh! Être obligé de côtoyer des êtres aussi rustiques! Quelle promiscuité! Ce n'est pas une vie convenable pour des personnes comme nous. Vous divaguez. Et quoi? Me regardez-vous, des yeux battus, des plumes fatiguées, des coups décharnés, des jabots raplatis. Moi, j'arrête ce régime de carême avant d'avoir la cervelle brouillée par la faim, comme vous autres. Elle a raison. Moi aussi, je renonce à devenir une bête de luxe. Moi aussi.
Mais enfin! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, voyons! À votre aise, si vous voulez rester des volailles ordinaires. Mais ne comptez pas sur moi. Le régime Pépa me convient... parfaitement. D'ailleurs, je n'ai pas faim. Parfaitement. Je n'ai pas faim. Non, je n'ai pas faim. Ce coq a l'air bien faible, il me semble. Dépêchons-nous de le saigner pour qu'il soit encore bon à manger. Alors, ça n'a pas diminué du tout. J'ai pourtant perdu 7 grammes ce matin. Tout ça n'est pas raisonnable. Tenez, moi qui suis assez bien faite de ma personne, je peux bien vous le dire. Une, deux, trois et quatre. Comment me trouvez-vous? Oh, mais je n'ai pas fini de vous étonner. Oh, à propos, vous avez vu? Quoi donc? Quelque chose qui pousse, comme une huppe. Il n'y a rien du tout, voyons. Oh. Oh, ben tiens, ça c'est drôle. Et ma traîne, vous la voyez? Ta traîne? Sans doute veux-tu parler de ta queue? Plus que jamais, elle est en forme de tire-bouchon. Tiens, c'est drôle. Peut-être que je ne fais pas assez de sport, ou que je mange trop. Je vais me surveiller. Voyez dans quel état s'est mis notre malheureux cochon. Croyez-moi, la beauté ne remplit pas toute la vie et il vaut mieux savoir ourler des torchons que d'avoir sur le dos des grandes plumes de toutes les couleurs. Bien sûr, vous avez raison. Delphine et Marinette n'avaient presque plus envie d'être belles. Le régime du paon qu'elles avaient d'abord voulu suivre ne les tentait plus guère. Passé 15 jours, le cochon resta le seul de tous les animaux à suivre le régime. Dans toute une journée, il mangeait à peine de quoi nourrir un poulet en bas âge. Ce qui ne l'empêchait pas de faire de la gymnastique et du sport. En une semaine, il avait perdu 30 livres. 97, 98, 99 et 100. Cochon, comment te sens-tu? Oh, chat, peux-tu me dire où en est ma huppe? Ta huppe? D'ici, je vois mal, cochon. Regarde mieux, veux-tu? Là, tu la vois, n'est-ce pas? Eh bien, en effet, il me semble apercevoir quelque chose. Oh oui? Ce n'est bien sûr qu'un début, mais on dirait une promesse de huppe. Enfin, la voilà qui pousse. On l'aperçoit déjà. Je suis heureux. Oh, et ma traîne, chat. Ma traîne, tu la vois aussi? Ta traîne? Mon Dieu, je dois dire... Elle est comment? À la vérité, ce n'est pas encore une traîne, mais c'est déjà un joli petit balai qui n'a pas fini de pousser. Un petit balai, bien sûr. Il faut qu'elle grandisse encore. Oui, mais elle ne grandira que si tu manges beaucoup. Et pour la huppe, c'est la même chose. Le régime du paon, c'était excellent pour mettre tout en train. Mais maintenant que la huppe et la traîne sont sorties, il s'agit de les alimenter. C'est pourtant vrai. Je n'y avais pas pensé. J'ai une huppe. J'ai une traîne. Je ne vois aucune huppe. Et moi, aucune traîne. À part un cochon à barbe, je ne vois rien du tout, moi. Ni moi. Ah non, ni moi. Je ne vois rien. Et moi, pas davantage. Oh, je comprends que vous soyez jaloux. Il est fou, il est complètement fou. Je veux bien que vous me fassiez escorte, mais ne me suivez pas de trop près, voyons. Vous allez marcher sur ma traîne. Vous
Vous voyez ce qui arrive quand on est trop occupé à sa beauté. On devient fou comme le cochon. Et cousine Flora, alors elle doit être folle depuis longtemps, la pauvre. Hein? Ma huppe, regardez ma huppe, comme elle est grande, comme elle est belle. Cochon, viens la brinder. Oh, attention, je dois faire attention à ne pas abîmer ma huppe. Il est fou avec sa huppe. Ça y est, c'est fini. Oh. Oh, un arc-en-ciel. Il est beau. Regardez, je fais la roue. Le malheureux. Le pauvre. Il a perdu la tête. Quelle tristesse. Il est fou. Allons, assez de comédie. Rentre. Il est l'heure. Il est l'heure. Rentrez. Vous voyez bien que je ne peux pas. Ma roue est trop large. Elle ne passera jamais entre ces deux arbres. Ça suffit. Tu n'as qu'à refermer tes plumes, cochon. Hein? Comme ça, ta traîne passera facilement. Oh, mais oui, tiens, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Vous comprenez, c'est le manque d'habitude. Regardez. Des animaux ne sont pas belles.